Des images choc du Trooping the Color, l'anniversaire de Charles III, révèlent qu'un garde s'est effondré lors de la cérémonie. Décryptage. Des clichés publiés par le Daily Express révèlent une scène choc en marge du défilé de Trooping the Color. Un garde royal a perdu connaissance lors de la procession. Il a été transporté sur une civière par ses confrères et un policier. Plusieurs membres de la fanfare royale avaient perdu connaissance lors de la répétition de la cérémonie la semaine dernière. Un mois après son couronnement, Charles III avait de nouveau rendez-vous avec l'histoire ce samedi 17 juin. Le successeur d'Elisabeth II a fêté son anniversaire lors du Trooping the Color pour la première fois de son règne. La parade organisée chaque année dans les rues de Londres depuis 1748 a mobilisé cette année 1400 soldats, 200 horse guards, des cuirassiers du régiment de cavalerie de la maison royale, 70 avions de la Royal Air Force et quelques 400 musiciens supplémentaires. En sa qualité de colonel en chef des 7 régiments de la garde royale, Charles III a mené la procession à cheval jusqu'à Buckingham Palace. La bonne humeur ambiante a néanmoins fait écran à quelques déconvenues en coulisses. Des clichés publiés par nos confrères du Daily Express ont révélé en effet une scène choc lors du défilé. On y voit en effet un garde royal transporté sur une civière par ses confrères et un officier de police après avoir perdu connaissance. Si la température était plus basse que les autres jours à Londres, le stress associé aux 22 degrés enregistrés ce jour peut avoir provoqué son malaise. Un incident similaire s'était produit le week-end dernier lors des répétitions de la cérémonie. Plusieurs membres de la fanfare militaire britannique avaient perdu connaissance à cause des fortes températures. Pourquoi Charles III fête-t-il son anniversaire lors du Trooping the Color? Né un 14 novembre, Charles III serait-il impatient de fêter son anniversaire avec 5 mois d'avance? Un petit rappel historique s'impose. Trooping the Color fut conçu à l'origine comme une simple parade militaire en vue de préparer la guerre. On y présentait les drapeaux aux soldats pour leur apprendre à les distinguer au front. La cérémonie a par la suite été intimement liée à l'anniversaire du roi d'Angleterre lorsque George II de Hanovre, lui aussi né au mois de novembre, a décidé d'organiser une grande fête publique pour célébrer ses 65 ans. Pourquoi donc avoir fixé la date au mois de juin? Tout simplement pour s'éviter de prendre une saucée. Canonisée par George III, la cérémonie n'a jamais été manquée depuis 3 siècles.